Si on veut un dialogue et une réconciliation, il faut qu'il y ait discussion avec la diversité entre les autorités de Bamako et la diversité des Maliens. Mais on a comme le sentiment qu'il y a un traitement de faveur pour Kidal et qui est toléré par la France. Non, mais il y a deux conditions à ça pour discuter avec les différents groupes. Premièrement, chacun de ces groupes doit reconnaître l'intégrité du Mali. C'est-à-dire que tout ce qui est, il faut qu'il y ait l'État malien d'un côté et puis la Savoie de l'autre. Non. L'intégrité du Mali. Si nous avons le soutien de la communauté internationale dans cette affaire, c'est parce qu'on est d'accord sur certains principes. Premier principe, intégrité du Mali. Deuxième principe, la condamnation de tout terrorisme et le refus de la constitution d'une armée qui sera à côté de l'armée malienne. Il n'y a qu'une armée dans un pays qui est l'armée régulière. Bon, à partir de là, il peut y avoir, si vous voulez, des phases intermédiaires. Mais sur le MNA comme sur les autres groupes, si ce mouvement veut se transformer en mouvement politique, pourquoi pas, mais il faut qu'il respecte l'intégrité du Mali et il ne peut pas disposer d'un armement particulier. Mais